t'attends, Longhorn. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'en sais rien, moi. D'abord, j'ai cru que c'était de ma faute, mais je me suis rendu compte que non, c'était un peu trop quand même. Il y a des flics partout. Et des barrages, un truc de dingue, je te jure. Ils sont après quelqu'un. Hé, hey, Travis, tu vois des flics en position d'où tu es? Non, pas vraiment. Et ils sont où, ces barrages? Bah, de partout. Ils ont bouclé une grosse partie du centre-ville. Il vaut mieux éviter le secteur, à mon avis. Les docks, peut-être. Je suis pas sûr, je suis beaucoup trop loin. Ok, cool. Tu n'en trouves au resto? Non, j'ai un truc à faire avant. Tant pis pour toi. Oublie-le, il fait son gros malin. Encore plus que d'habitude. Ok, hey, le nouveau, tu me retrouves au diner, ok? Rob, tu viens? Carrément. Ok, ça marche, on se voit là-bas. À plus. Il faut que tu t'expliques, mec. Non, Manu, c'est pas vrai. Bon, calme-toi. On a ta parole. Oh, hey, mais je rêve. Bon, rendez-vous au bar. Et tout de suite, vite. Faut qu'on parle, mec. C'est important. Spike. Ça va, c'est cool, Manu. On se voit là-bas. Un jour, il va nous faire un malaise. C'est toi qui y vas, Manu? Moi, je peux pas. Bon, bah, on dirait que j'ai pas le choix. Hey, tout doux avec Spike ce soir. Il traverse une passe difficile. Allez, à plus tard. Thank you.
Sûrement un prof de maths qui a dit à sa femme qu'il allait voir un match. Non, j'ai une autre version. Travis dit que c'est un jeune russe pas très futé, mais par contre qui serait blindé. Oh, un pote à toi alors. Tout ça, ce sont des rumeurs. Personne sait rien, même pas Travis. Eh ben, peu importe qui est ce mec... Ou cette fille. Ou cette fille. J'espère qu'il se fera choper au plus vite. Qu'est-ce que t'en as à faire? Bah, il y en a qui paniquent. Les affaires vont mal quand les gens vont mal. Eh. Un café à emporter. Allô? Bien sûr que j'y pense. Ouais, ouais, je vérifierai. Sans gluten. Mais oui, c'est promis. Oh. Le voilà, ton prof de maths, Amy. Un assassin sans binaire. Ouais, tu nous as vus. On en avait dans le pantalon avant. Carrément, ouais. T'as jamais rien eu dans le pantalon. Ah ouais? Et tu me casses quoi à longueur d'année, toi? Hein? La tête. T'es là. Hé, hey, salut. T'es en meilleur état que lui, j'espère. On va voir ce que tu vaux. Reste au volant. Yo, man, hé, hey, ça va? C'était quel modèle, mec? Hein? La 277, c'est ça? Je parie que tu sais même pas que c'est la voiture préférée de Magnus. T'as un souci, vieux? Magnus l'a laissé conduire une de ses caisses. Une de ses 911. Et d'abord, d'où il a ton numéro, mec? Hein? Quoi, c'est vrai? Qu'est-ce que t'as fait? Ça venait de moi. Relax. Relax? Relax, c'était ma caisse, je l'ai gagnée! Spike, calme-toi. Cool, Spike. Calme-toi. On est tous dans le même camp. Travis vous aide parce qu'il veut que vous deveniez de grands pilotes. J'ai pas besoin de lui. Et c'est le petit nouveau qui a récompensé, c'est ça? C'est ça? Hein? Hé, hey, approche, approche. Attends. T'es sérieux? C'est exactement ce que tu voulais. Que Magnus te remarque. Si l'un de nous se fait remarquer, on se fait tous remarquer. On forme une équipe. Ok? Ouais. Bon, c'est cool. Désolé, mec. C'est juste que je tiens tellement à percer, tu vois. On oublie? Allez, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Ouais. Ouais. Ça prouve que t'as dû faire un truc qui lui a plu.